tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce gilet Elena qui est vraiment très chaud et très coloré. J'ai utilisé pour ce gilet de la laine que j'ai trouvée à Ziman. Voilà, donc c'est la référence Royal Batik. Le coloris 31. C'est une pelote qui fait 100 grammes pour 241 mètres avec un échantillon de 28 rangs pour 18 mailles pour 10 cm sur 10 cm et qui se crochette donc aux aiguilles 4-5. Donc j'ai utilisé pour ma part. Alors pour ce gilet, donc j'ai utilisé un crochet numéro 5. Vous aurez besoin d'un ciseau, un passe-laine puisqu'il y aura quand même de la couture et des marqueurs aussi pour bien maintenir le travail en place quand vous allez faire votre couture. Ensuite, donc c'est un gilet que vous pourrez réaliser en 5 tailles différentes. Donc comme d'habitude, je vais mettre le modèle écrit vraiment avec toutes les mailles et toutes les références pour chaque taille sur le blog. Vous l'avez en barre d'infos hein, de toute façon, et je vais essayer sur chaque étape de vous donner voilà vraiment toutes les références. Donc les tailles dont je vais parler, la taille numéro 1 c'est du 34-36, donc c'est un gilet quand même oversize qui est fait pour être assez large et comment dire, le modèle il n'est pas fait vraiment pour être raide et bien collé au corps, avoir une bonne tenue. Donc même si c'est un peu large quand vous ferez votre taille, faut pas vous étonner. Ou si vous voulez quelque chose de plus cintré, ben peut-être de prendre la taille en dessous. La taille 2 dont je parlerai à chaque fois, c'est pour le 38-40. La taille 3, c'est pour le 42-44. La taille 4, 46-48. Et la taille 5, c'est un 50-52. Voilà, donc à chaque fois sur la vidéo, je vous dirai 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez là bien écrit à quoi ça correspond. Pour ces tailles, si vous utilisez la même laine que moi, il faudra au moins 4 pelotes pour les deux premières tailles. Il vous en faudra 5, il vous en faudra 6 et 7 pour la taille 50-52, sachant qu'il en reste, quand même pas mal. Voilà, mais on est bien obligé d'en avoir suffisamment comme d'habitude. Donc si vous voulez plus une longueur en mètres, si vous utilisez peut-être une autre laine, c'est un petit peu moins de 1000 mètres pour ces deux tailles-là. C'est environ 1200 mètres pour cette taille 3, environ 1500 pour la taille 4 et presque 1700 mètres. Donc de fil, on est d'accord, pour la taille 50-52. Voilà, donc ça je pense que c'est la base. C'est une pelote, comment dire, c'est une laine qui coûte vraiment, vraiment pas très cher. Donc j'ai pas calculé à combien m'est revenu le gilet, mais honnêtement c'est quand même très très abordable. Voilà. Ensuite, pour cette introduction, je vais quand même pas forcément m'attarder, mais on va quand même parler échantillon, puisque du coup c'est un modèle plus complexe qu'une écharpe ou un bonnet. Donc l'échantillon, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais je pense que je vais finir par le faire parce que finalement c'est quand même la base si vous souhaitez réaliser des vêtements à votre taille. Donc sur la bande, je vais le dire rapidement, sur la bande on est d'accord qu'il y a écrit un nombre de rangs et un nombre de mailles standard pour avoir 10 cm de travail. Donc tout ce que je vais vous indiquer là est valable pour un échantillon qui me fait 10 cm de travail est égal à 13 mailles et il me faut 10 rangs pour arriver à 10 cm. Donc quand je vais vous dire par exemple de travailler pour atteindre les 50 rangs, ça fera à peu près 50 cm puisqu'on est sur un cm égale un rang à peu près sur ma manière de crocheter avec ce fil et le crochet numéro 5. Donc avant de réaliser le modèle dont je vais vous parler maintenant, il faut au moins être sûr. Bon, la hauteur c'est pas si grave parce que même si vous ajoutez quelques rangs, il faut surtout respecter le nombre de centimètres que je vais vous donner à chaque fois. Par contre sur la largeur, si vous ne travaillez pas que 10 cm sont environ égales à 13 mailles, ben vous allez vous retrouver avec un travail soit bien trop large, soit finalement trop serré. Donc encore une fois, je sais que l'échantillon c'est pas toujours... On n'a pas forcément envie de faire ça pour commencer, on a plutôt envie de se jeter
à corps perdu dans le travail, mais c'est important. Toutes les tailles que je vous donne là doivent respecter cet échantillon, au moins sur la largeur, 10 cm égale 13 mailles, sinon on sera complètement à côté et vous allez perdre un temps fou. Voilà. Pour finir sur cette petite introduction, donc en fait ce gilet il est réalisé en 5 parties, pardon, je vais y arriver. On va d'abord faire le dos, ensuite on fera les deux pans qui sont devant et ensuite on fera les manches et je vous expliquerai finalement comment le coudre. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Donc, pour commencer ce gilet, on va commencer par le dos. Donc, je viens de réécrire. Pour la taille que vous avez choisie, vous allez monter 58, 62, 68, 73 ou 78 mailles avec votre crochet numéro 5. Je ne l'ai pas dit, je crois, dans l'introduction. C'est un gilet qui se travaille exclusivement en demi-bride. Donc, toujours pareil, c'est un point quand même qui est très simple. Mais vu la laine et les couleurs qu'il y a à l'intérieur, je trouve que le rendu est très bien et vous n'avez pas besoin, quand il y a une laine très colorée ou qu'il y a déjà un effet visuel, d'aller rajouter par-dessus un point compliqué. Je trouve finalement que ça se voit pas ou que l'un prend le pas sur l'autre. En général, les couleurs prennent le pas sur le point que vous avez utilisé. Donc moi, je vais faire comme à mon habitude, je vais faire un petit échantillon avec vous. Donc, montez le nombre de mailles que j'ai indiqué en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc pour moi, on va partir sur une vingtaine de mailles. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui garde les proportions. Donc on va partir sur une vingtaine de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que vous aurez monté le nombre de mailles que je vous ai indiqué, vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Ça, ce sera valable sur tout le gilet. Les 2 mailles en l'air, elles vont nous servir à débuter le rang, mais elles ne compteront jamais comme une maille. Donc, il ne faudra pas aller crocheter dans cette maille en l'air à la fin du rang suivant. Mais je vais vous montrer ça. Donc, dans la troisième maille, à partir de votre crochet, 1, 2, 3, on va réaliser une demi-bride. Donc, la demi-bride, le jeter sur le crochet, vous passez dans votre maille, vous tirez le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et même chose du coup dans toutes vos mailles. Voilà. Donc vous allez bien faire une demi-bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Honnêtement, à part les manches, c'est vraiment un travail tout droit. C'est-à-dire que ce sont des carrés ou des rectangles que nous allons faire pour le dos et les deux parties de devant. Après, pour les manches, pour qu'il y ait quand même un effet joli, vous verrez, il y aura quelques augmentations. Mais rien de très compliqué, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Voilà. À la fin de votre rang, 2 mailles en l'air, comme à chaque fois, et vous tournez. Donc en fait, ces 2 mailles en l'air, quand on dit qu'elles ne comptent pas comme une maille, c'est qu'il faut vraiment piquer dans la toute première maille qui se présente. Si elle comptait comme une maille, on irait dans la deuxième, dans celle d'à côté, mais là c'est pas le cas. Donc vous allez continuer, donc dans cette première maille, vous faites une demi-bride et vous allez simplement faire, il n'y a rien de plus simple, une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Et ce sera, comment dire, comme ça, sur tout toute la partie du dos. Surtout le gilet d'ailleurs, mais là on travaille ensemble sur la partie du dos. Donc une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Quand on arrive à la fin du rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne et on va toujours vraiment piquer dans la première puisque ces 2 ml ne comptent pas comme une première maille. Je vais vous montrer la fin du rang si pour certaines d'entre vous
il y a comme un doute sur où terminer. Alors bien sûr, vous pouvez compter vos mailles à chaque fois, mais c'est vrai que quand on fait une cinquantaine de rangs sur un projet, ça devient vite fastidieux. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, j'espère que vous verrez bien parce que la laine, elle est un petit peu claire. Voilà. Là, j'ai vraiment la dernière maille. Un brin ici. Et là, j'ai la chaînette. Donc en fait, vous faites juste dans la dernière maille. N'allez pas jamais piquer à la fin du rang dans une chaîne, puisque cette chaîne, encore une fois, ne compte pas. Si vous piquez là-dedans, ça va simplement faire, vous allez ajouter des mailles, et que là, on veut vraiment un rectangle, en fait, hein, c'est le dos. Donc, vous allez continuer, hop, deux mailles en l'air, et toujours pareil, on tourne, vous allez me piquer dans cette première maille, et réaliser une demi-bride. Ainsi que sur chaque maille qui se présente. Donc, en fonction de la taille que vous avez choisie. Pour cette taille 1, vous allez continuer comme ça jusqu'à atteindre les 55 cm. Ce qui fera environ 55 rangs, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un rang égale 1 cm de hauteur. Donc vous allez atteindre 55 cm. Pour la taille 2, 56. Pour la taille 3, 57. Ensuite 58 et 59. Voilà. Moi je vais monter une dizaine de rangs pour que l'exemple soit parlant. Je vous propose de vous retrouver à ce moment-là. On coupera le fil et puis on commencera du coup les deux parties qui vont à l'avant. Voilà. Donc vous montez bien votre nombre de rangs ou de centimètres qu'il faut pour voilà, atteindre la hauteur souhaitée en faisant une demi-bride dans chacune des mailles qui se présentent. Deux mailles en l'air et vous tournez et ainsi de suite. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voici donc mon dos terminé. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est une miniature du gilet, hein, vraiment pour que vous puissiez comprendre le système. Donc si on faisait un gilet classique, on ferait deux morceaux qui seraient parfaitement symétriques et la moitié hein, du dos. Pour après, par exemple, faire une boutonnière et pouvoir fermer le gilet. Donc là, pour avoir l'effet tombant et flouté comme à ce gilet sur le devant, on va faire deux pièces en fait un petit peu plus longues. Pareil, de l'autre côté, elle fera à peu près comme ça. Et on fera la couture là sur quelques mailles et le reste du pan sera voilà volant et fera cet effet comme vous avez vu du coup sur la présentation du gilet. Donc le dos, une fois que vous l'avez terminé, alors vous pouvez directement rentrer vos fils ou le faire après, de toute façon il faudra le faire. C'est vrai que quand on fait un gros projet, si vous le faites au fur et à mesure, c'est peut-être un peu moins long à faire à la fin. Bon, ce que je vous conseille juste, c'est quand même de bien plier le dos pour bien le poser, pas qu'il prenne une mauvaise forme. Ensuite, donc, nous allons réaliser les deux pans qui iront à l'avant. Alors, pour ces demi-devant, je vais les appeler comme ça, même si ce n'est pas très heureux. Donc, on est d'accord qu'on fera deux pans. Pour la taille 1, vous allez monter 52 mailles. La taille 2, vous allez monter 54. La 3, vous allez monter 56. Pour la taille 4, 59 mailles. Pour la taille 5, 62 mailles. Et vous allez travailler exactement comme le dos. Donc je peux vous refaire un petit exemple si vous souhaitez. Et on va atteindre forcément toujours la même hauteur dont je parlais tout à l'heure. Donc on va refaire, là ça va faire vraiment un rectangle. Pour la taille 1, vous allez monter jusqu'à 55 cm. 56 pour la taille 2, 57 pour la taille 3, 58 pour la taille 4 et 59 pour la taille 5. Donc dans mon exemple, on va prendre, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, comme je sais que certains débutent, je préfère quand même prendre le temps de vous le montrer. Donc vous montez vos mailles, moi je vais en faire 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc vous montez les mailles comme indiqué, elles sont juste ici, on est d'accord, plus 2, 1, 2. Dans la troisième, 1, 2, 3, vous réalisez une première demi-bride. Et bah, comme vous avez fait pour le dos, hein, c'est tout simple hein, ce gilet. C'est pour ça qu'il est bien de prendre quand même une laine un petit peu colorée, parce que le patron en lui-même est quand même assez simple. Et une demi-bride dans chaque
mailles qui se présentent. Voilà, donc en fait, on va faire, vous allez vraiment faire deux rectangles qui formeront le devant, comme je vous ai expliqué. Hop. Donc, je vais vous remontrer le début, la fin de rang, et ensuite, on se retrouvera pour les manches. Donc, toujours jusqu'au bout dans votre dernière maille. Elle est là, ma dernière maille. Hop. Et une et deux. Toujours pareil, vous allez faire votre première demi-bride dans cette première maille. Et ainsi de suite, donc sur le même nombre de rangs, ou le nombre de centimètres dont je vous ai parlé, que vous avez fait bien sûr sur votre dos, sinon le gilet sera inégal entre le devant et le derrière. Et là, donc on est d'accord. J'espère que vous voyez bien. Je peux mettre comme ça. Voilà. La dernière maille est là. Toujours pareil. Ça, c'est de la chaînette. Donc on n'y touche pas. Vraiment, la dernière maille. Deux mailles en l'air. Et on continue. Donc vous montez le nombre de rangs, le nombre de centimètres qui est nécessaire. Donc ce que je vous indiquais là, 55, 56, 57, 58, 59, ben, rangs au centimètre. Et vous réalisez de nouveau exactement le même. Vous remontez les mailles de départ plus 2 à chaque fois. Voilà. Et dans la troisième, vous redébutez vos demi-brides. On se retrouve pour les manches. Voilà, j'ai terminé mon premier pan. Donc, je vais couper mon fil. Un jeté, je passe à travers la boucle, je tire, hop, un nœud, je repasse dans la dernière maille, un jeté, un deuxième jeté, et je tire. Et voilà. Donc il ira comme ça, hop, on va le voir après. Pour la réalisation des manches, donc... Pour les manches, comme je vous disais, nous allons augmenter. Parce qu'en fait, si on met le patron à plat, ça fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le bas de votre manche est toujours plus étroit que le haut pour mettre l'épaule. Si on fait une manche toute droite, c'est juste que c'est moins heureux quand vous le portez. Là, en plus, c'est comment dire, il sera quand même, la manche, elle sera quand même assez large, donc ça fait quand même un joli tombé. Mais si on fait vraiment de nouveau des rectangles, ça ne convient pas, tout simplement. Alors, pour la taille numéro 1, pour ces manches, vous allez monter 35 mailles. Pour la taille 2, vous allez monter 38. Pour la taille 3, 40. Pour la taille 4, 43. Et pour la taille 5, 45 mailles. Ensuite, nous allons faire des augmentations. Donc, je vais vous montrer ça. Qui vont permettre au fur et à mesure sur les côtés d'atteindre la taille du haut. Donc les augmentations, on fera simplement en début et en fin des rangs indiqués à une maille des bords. Je vais vous expliquer ça. On fera deux brides dans la même maille, simplement voilà pour faire nos augmentations. Donc, alors moi je vais faire une petite manche d'exemple. Donc je vais vous monter, 6 mailles. Le cahier, peut-être que vous verrez bien. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous montez le nombre, bien sûr, que j'ai indiqué là-haut, en fonction de votre taille. Toujours pareil, plus 2. Et vous allez réaliser au moins ce premier rang. Dans la troisième maille, on pique, on fait une demi-bride. Et une demi-bride, bien sûr, dans chaque rang. Dans chaque maille, pardon. Vous allez continuer ainsi. Hop, comme on a fait tout à l'heure. Deux mailles en l'air, je tourne. Et je continue comme ça. Nous allons, donc j'ai tout calculé pour chacune des tailles.
en fait, alors, ces augmentations, elles vont être faites sur un rang précis. Pour la taille 1, donc la maille chaînette, la chaînette de base, par contre, ne compte pas. Donc, pour la taille 1, vous allez faire une augmentation sur les rangs 6, 13, 19, et je vais vous montrer, hein, bien sûr, 26, 32, 39, 45 et 52. Pour la taille 2, vous allez respecter la même chose. Pour cette taille 3, vous allez faire sur les mêmes rangs. Là, bien sûr, ce sera 51, ce sera 50. Le dernier rang, c'est 52 rangs en tout, 51 rangs en tout pour la taille 2, 50 rangs pour la taille 3. Pour la taille 4, non, attendez, j'ai décalé. Non, non, là, c'est vraiment les deux premières tailles, c'est exactement la même chose. Voilà, la taille 3, c'est 51 rangs en tout. La taille 4, c'est 50. Et pour la taille 5, c'est à peu près la même chose, mais j'ai modifié. Donc, on fera les augmentations sur les rangs 6, 12, 18, 25, 31, 38, 44 et 49. Voilà. Donc, dès que vous êtes sur ce rang, à chaque fois, donc il faudra compter, ça c'est sûr, ça demande un petit peu de vigilance, vous allez faire les augmentations. Comme je disais, c'est une augmentation en début et en fin de chaque rang à une maille des bords. Donc on va le faire ensemble. Pas compliqué du tout, mais je vais vous montrer ça. Donc on va dire, moi j'augmente tous les trois rangs. Donc j'ai fait 1, 2, donc je suis sur un rang d'augmentation. Je vais faire mes deux mailles en l'air habituelles, je tourne à une maille des bords. C'est toujours, vous allez faire une maille normalement, et c'est dans la deuxième que vous allez faire votre augmentation. Pareil à la fin, la dernière maille, elle se fera normalement, et avant la fin, à une maille du bord, on refera une augmentation ici. Donc, cette première maille, je la fais normalement une demi-bride. Comme je suis sur un rang d'augmentation, je fais deux brides, deux demi-brides dans la maille suivante. Je continue mon rang normalement jusqu'à arriver à, voilà, à deux mailles de la fin. Donc dans la maille qui se présente là, je refais deux demi-brides dans la même maille et je termine mon rang par une demi-bride normale. En fait, de faire les augmentations sur le côté, donc déjà ça va permettre que notre manche elle prenne bien la forme que l'on souhaite et aussi que le bord reste quand même plus propre que si on faisait l'augmentation vraiment directement. Voilà. Ensuite, donc là, pour toutes les tailles, on serait sur le rang 6, hein. Pour vous, vous auriez fait vos 5 rangs. Et sur le 6, on fait une augmentation, puisque je vous rappelle que c'est ces indications que je vous ai données. Donc, vous continuez normalement pour votre rang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et une fois que vous aurez le 13e, vous referez exactement la même manœuvre pour faire d'autres augmentations. Donc, pour moi, comme j'ai dit, tous les 3 rangs, je vais faire avec vous une petite simulation de ce que ça peut donner. Donc, j'ai 2 rangs à faire normalement. Ce que je suis en train de faire. Donc je viens de faire un premier et je vais faire un deuxième. Voilà. Je vais faire un deuxième jusqu'au bout. Voilà. Donc j'arrive sur mon rang d'augmentation. Première maille normale dans cette première, une demi-bride. Et puis ben, je refais mes augmentations exactement de la même manière. Deux demi-brides dans la deuxième maille du rang. Voilà. Donc là pour vous on est sur le rang 12 ou 13 en fonction de la taille. On continue le rang normalement et arrivé à deux mailles de la fin, donc je refais deux demi-brides dans cette maille là et je termine mon rang comme ça. Voilà, voyez la forme qu'elle prend la manche.
Et donc vous allez continuer, je vais continuer aussi sur les rangs qui sur les rangs qu'il faut jusqu'à atteindre, du coup vous allez strictement respecter à chaque fois la séquence. Hein, c'est-à-dire que pour la taille 1, vous allez continuer comme ça en faisant les augmentations sur les rangs signalés jusqu'à avoir 52 rangs. Pour la taille 3, vous allez continuer comme ça jusqu'à en avoir 51, 50 pour la taille 4 et 49 pour la taille 5. Voilà. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, il faudra une deuxième manche et vous reprenez du départ. Vous montez vos mailles comme on a fait du début. N'oubliez jamais les deux mailles en l'air là. Je ne les note pas parce que c'est vrai que pour moi c'est évident. Mais à chaque fois, deux mailles en l'air pour pouvoir débuter. Voilà, je vous retrouve une fois que la manche sera terminée. Une fois que vous aurez fait toutes ces parties, il n'y aura plus qu'à coudre et le gilet sera bientôt terminé. Voilà, à tout de suite. Alors, une fois qu'on a terminé les manches, donc vous allez vous retrouver avec vos 5 morceaux. Donc moi, j'ai fait finalement qu'un côté pour pouvoir vous montrer et que ce soit visible. Surtout que, toujours pareil, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Je ne suis pas une très très bonne couturière, alors il est même possible que vous ayez des manières de faire qui soient beaucoup, beaucoup mieux que les miennes. Moi, je fais vraiment les coutures comme je peux. C'est vrai que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Donc... ce que vous allez commencer par faire, donc vous reprenez votre dos, on est d'accord qu'à chaque fois, on va bien situer le bas, là où il y aura la maille chaînette, du haut, là où vous aurez les mailles. Donc vous décidez d'un sens, peu importe, l'un ou l'autre, voilà, donc ça ce sera l'intérieur. J'ai mis du coup moi la chaînette à l'extérieur, voilà. Vous allez le mettre bien à plat, votre dos. Ensuite, vous allez prendre vos deux demi devant. Donc là, j'ai un tout petit échantillon. Quand j'ai cousu le gros gilet, j'ai quand même fait attention, si vous avez une laine avec plusieurs couleurs, que ce soit visuellement, que ça s'accorde à peu près, hein, entre les différentes parties, puisque vous avez deux pans. Donc vous pouvez quand même les mettre ou les retourner à peu près comme ça vous arrange. Donc, si je respecte strictement cette histoire de maille chaînette, ce pan irait plutôt... comme ça, puisque là, visuellement, c'est quand même beaucoup plus joli. Visuellement, c'est plus joli, donc ça ira bien sur le devant. Donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez mettre en place l'un sur l'autre, un demi devant et votre dos. Voilà. Ensuite, soit vous prenez un fil, soit vous en avez gardé un. Je vais vous indiquer comment faire les coutures. Je ne vais pas vous montrer les coutures vraiment tout dans le détail sur le gilet, puisque comme je vous ai dit, alors d'une, c'est un peu fastidieux, je pense, sur un tuto, et il faut simplement prendre le temps de le faire. Se pose aussi la question peut-être du fil que vous utilisez, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé quand même de garder ce fil pour faire mes coutures. Mais comme il est multicolore, et ben, si vous êtes avec un fil rose à un moment où vous cousez du bleu, ben, ça risque quand même de se voir. Donc à voir si vous n'avez pas une laine plus neutre ou sinon il faut faire attention pour pas que ça se voit trop. Le gilet est quand même très très coloré, donc même peut-être quand on regarde vraiment dans le détail, on voit des petites imperfections, mais croyez-moi quand vous allez le porter, vous voyez là, moi elle se voit mes coutures, hein. Quand on est pointilleux, on le voit très bien, mais quand vous allez le porter, ça se voit quand même, ça se voit pas trop. C'est pas comme si on faisait une couture de fil blanc sur un gilet noir. Donc sur ces deux pans, vous allez prendre le premier et comme je vous expliquais tout à l'heure, nous allons coudre simplement sur une partie puisque ça, après finalement, ça va tomber comme ça, là. Ça va tomber et faire cet effet volant ouvert très chouette. Donc pour la taille 1, je vais reprendre mon stylo, pour la taille 1, vous allez coudre, donc je pars du bord, hein, du gilet, là il y aura la manche, hein, on est d'accord, donc en partant du bord, vous allez coudre votre pan de devant, comme ça, sur 19 mailles. La taille 2, 21. Taille 3, 24. Taille 4, 26. Taille 5, 28. Donc une fois que vos deux pans sont l'un contre l'autre, je vais prendre un passe-laine. Voilà, donc... c'est là que peuvent intervenir les marqueurs. Je vous avais parlé au début que vous auriez peut-être besoin de marqueurs. Vous pouvez tout à fait venir bloquer le travail pour pas qu'il bouge. C'est juste une question de patience. Alors ça, c'est pareil, une fois qu'on a passé du temps à crocheter. Moi, je sais que les coutures, bon, c'est la dernière étape
que j'aimerais bien supprimer avant de porter ce que je viens de faire, mais c'est important. Si vous serrez trop, ça va se voir. Ce serait dommage quand même de ne pas valoriser votre travail sur cette dernière étape. Donc vous pouvez venir passer, comme j'ai eu fait sur d'autres modèles, un petit marqueur si vous souhaitez pour bloquer tout ça ensemble. Alors c'est vrai que si vous faites là une grande taille, vous aurez beaucoup plus de tissu à gérer que ce que j'ai là. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, alors là on est d'accord que c'est la couture sur les épaules, comme ça, qui se verra quand même, qui se verra bien. Donc ce que j'ai fait, je suis passée sur le premier brin là et sur le deuxième là. Pour que la couture, voilà, que ça aille bien ensemble. Pareil, premier brin ici et deuxième brin là-haut. Pour faire vraiment, voilà, qu'ils viennent plus l'un contre l'autre que qu'ils se superposent ou que ça vous fasse une couture ou un effet pas top sur les épaules. Pareil, brin du haut, les deux brins du haut en fait. Voilà. Et vous allez du coup coudre en aller-retour sur le nombre de mailles que je vous ai indiqué par rapport à la taille que vous réalisez. Donc je sais pas, moi je vais peut-être faire encore, c'est une mini veste hein, que je vais vous faire, hop, on pourrait la faire aussi pour poupée d'ailleurs ou pour mettre sur un nounours, pourquoi pas. Voilà, on va arrêter là. Donc ensuite vous trouvez un moyen le plus simplement possible de faire un nœud. Donc on fait un nœud. On fait un deuxième nœud, vous savez que j'aime bien sécuriser le travail. Et vous pouvez rentrer vos fils. Donc c'est pareil, en fonction de la couleur que vous avez. Bien sûr, là je suis partie de ce côté puisque c'est du bleu. Du coup ça se verra beaucoup moins. Et hop, dans ce sens-là. Voilà, on tire un petit peu et on coupe le fil. Voilà. Ensuite, vous pouvez détacher cette partie-là. Voilà, là c'est l'encolure, du coup c'est le col. Donc moi, j'ai pas fait forcément de deuxième pan, puisque c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment se conçoit ce gilet. Donc votre deuxième pan, vous allez faire pareil. Vous le prenez, vous vérifiez la couture du bas sur votre maille chaînette, ou ce qui va le mieux en termes de couleur et ce qui est le plus heureux. Donc là, vous pouvez le plier comme ça. Et de la même manière, vous allez aller plaquer votre partie ici. Même histoire, vous allez coudre votre deuxième pan sur le nombre de mailles que j'avais indiqué, exactement ce qu'on vient de faire, et de ce côté, tac, 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 comme ça, hop, vous faites deux nœuds, vous rentrez votre fil. Donc vous aurez vos deux pans comme ça, qui sont accrochés finalement que par le haut. Ensuite, pour les manches, donc je suppose qu'il y a plusieurs manières de faire. Ce que j'ai fait moi pour le gilet, peut-être qu'il serait plus facile de coudre d'abord votre manche comme ça et ensuite dessous, ce qui est fortement probable d'ailleurs. Je pense que j'avais pas forcément fait la manière la plus simple. Moi en fait, ce que j'ai fait, j'ai d'abord cousu le long de la manche, j'ai fait mon petit tube et ensuite je l'ai accroché sur la veste. Donc avec le passe-laine. Donc là, comme je vous ai dit, moi vraiment, je ne suis pas une couturière, il y a sûrement peut-être d'autres conseils. Ou aller vers ce qui est le plus simple et le plus spontané pour vous. Le but, c'est juste de ne pas trop tirer sur le fil, que ça tienne quand même, mais que ce soit visuellement acceptable. Voilà. Donc là, bon, j'ai de la chance, c'est du rose sur mon petit exemple, donc on ne verra pas du tout mes fils. D'accord, si vous serrez trop, hein, hop, hein, c'est pas ça qu'on veut, hein. Vraiment, vous respectez l'échantillon que j'ai moi, vous respectez votre tissu et vous le laissez faire, se mettre en place comme il veut. Pareil, si vous avez besoin de pointer au bout pour ne pas vous décaler, mettez un petit marqueur. Ou même plusieurs, hein, tout du long, hein, si vraiment vous voulez sécuriser ce que vous êtes en train de faire. Si vous prenez le temps, il n'y a aucune raison de décaler. Les points, ils se voient quand même. Vous pouvez tout à fait aller d'un point sur un autre. Là, vous voyez, on est dans le creux. On est sûrement dans un rang impair. Et là, j'ai les deux petites mailles qui apparaissent.
Donc c'est relativement simple de pouvoir les repérer. Voilà. Alors je ne coupe jamais les fils comme ça, moi, avant la toute fin, parce que souvent ça m'aide à sécuriser. Vous voyez, là je suis en train de le rejoindre. Donc bon, c'est qu'un exemple, ok, mais je vais me raccrocher à celui-là pour encore faire un nœud et être sûre que ça tienne. Et ensuite, je rentre les fils et je coupe tout. Après, comme je vous ai dit, chacun sa manière de faire. Et je ne dis pas du tout que sur la couture, je fais ce qu'il faut. Ça, c'est un point que j'aurai à améliorer. Voilà, toujours avant de serrer, vous tirez un petit peu sur le travail. Hop, une petite manche. Donc vous voyez, là, ce petit fil, il me sert bien quand même. Hop, je vais faire peut-être deux nœuds. Hop, vous rentrez les fils et hop, vous coupez. Ensuite, une fois que vos deux manches sont cousues comme ça, on va aller les accrocher en haut de notre gilet. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre bien bord à bord. Vous pouvez compter vos mailles et sur la maille centrale qui reste, sur la maille centrale qui reste là au milieu, vous pouvez vous la marquer. C'est la plus haute maille, donc c'est celle qu'il faudra accrocher tout là-haut. C'est un petit point de repère. Donc ensuite, vous reprenez votre base. Donc là, mes coutures, elles sont pas très bien faites hein, dans cet exemple. J'aurais pu mieux faire, Elsa. Voilà, donc je prends cette maille centrale. Je noue. Ici. Donc vous prenez un peu plus de fil que moi, bien sûr, pour pouvoir après le rentrer proprement. Donc là, ce que j'avais fait, j'avais quand même mis un marqueur, parce qu'encore une fois, quand vous aurez le gilet entier, ça pose un peu problème. J'avais mis un marqueur ici, en bas du gilet, pour pas décaler le travail. Donc mon fil est accroché ici. En plus, ben là, vous voyez, on a un fil rose et ça ira pas forcément. Donc ce que j'avais fait, j'essaye de passer en toute discrétion. Voilà. Pour pas que la couture elle se voit trop, je suis passée sous la maille ici et voyez sous les mailles là, pour quand même que mon travail soit attaché mais que ça se voit un petit peu moins. Donc là pareil, je suis passée sur ces deux brins et je retombe dans la maille, et je retombe en face et je reprends ces deux brins. Si vous êtes plus à l'aise avec un fil de couture normal et une aiguille, pourquoi pas hein, je pense que ça se verra beaucoup moins. Et que du coup, vous n'aurez pas à vous soucier de tous ces petits points de détail. Voilà, vous voyez par exemple, là je passe sous ces trois-là. Si je passe dessus, mon fil rose, il va se voir beaucoup trop. Donc je passe dessous, hop, et je passe au moins dessous ces deux mailles là-bas en face. Faites attention, bien sûr, si vous travaillez comme ça, de ne prendre que la première épaisseur de la manche. Pas prendre l'autre, hein, puisque du coup, vous ne pourrez pas coudre. Hop, je repasse dessous, je sors dans ma maille. Et je passe sous ses bras. Et ainsi de suite, finalement, jusqu'à avoir fait le tour. Et quand on fait comme ça, la couture, elle se voit pas trop. Jusqu'à avoir fait le tour, du coup, et avoir fixé entièrement votre manche. Hop. Hop. Donc là, j'arrive dessous. Je retourne mon travail. Bien attention à ça. Donc là, on peut passer peut-être de ce côté pour accrocher. Et pareil dans les deux mailles qui viennent là. Voilà, mais ça se voit même pas trop. Et on repart sur à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà, je passe dessous. Et je passe sous plusieurs autres brins. Là, hop, maille suivante. Et ainsi de suite. Oui, je vois pas trop mon fil. Voilà, la seule chose qui est vraiment importante dans cette étape-là, c'est de ne pas décaler et d'avoir
le même restant de tissu. Voilà. Ensuite, on est arrivé en haut, on fait un nœud, hop, 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 on serre. Et on rentre les fils de la manière la plus discrète. Donc là, si je devais le faire, bien sûr, j'irais dans la manche, puisque ma manche est rose et que mon fil est rose. Voilà, voilà. Donc, vous allez répéter exactement la même opération avec votre autre manche. Vous marquez la maille centrale. Alors, même si vous ne faites pas la couture, là, on est d'accord. Vous devez de toute façon marquer cette maille centrale et essayer de la fixer au bon endroit. Ensuite, vous prenez votre fil et vous allez coudre comme ça. Coudre. Une fois arrivé là, il vous faudra quand même faire la longueur qui est ici. Donc vous faites la même chose avec l'autre manche. Voilà. Voilà notre petit gilet. La seule chose qui vous restera à finir, du coup, c'est de coudre de l'aisselle en bas du gilet. Voilà. Donc c'est pareil, si là j'aurais plus de bleu, si j'avais envie de faire la couture, j'irais prendre un fil blanc ou bleu en évitant le rose. Sur la hauteur de tissu que vous avez, c'est toujours pareil, ça risque d'être difficile, mais si vous faites vos coutures, si vous prenez le temps de le faire, encore une fois, ça ne se verra pas. Et voilà, et votre petit gilet sera terminé. Alors, j'ai lu aussi ces derniers temps sur différents groupes que j'ai sur Facebook, que certaines laines qui sont très peu chères peuvent être des fois allergènes. Alors je pense bien sûr que ça... Ça dépend de chacune d'entre nous. Donc, vous voyez, moi, j'ai terminé mon gilet. Je vais bien sûr le laver au moins une fois, voire plus, avant d'essayer de le porter. C'est des laines qui se lavent quand même normalement en machine. Donc là, oui, il y a écrit 30 degrés. Vous savez normalement que pour vos vêtements, si vous ne voulez pas qu'ils se détendent une fois que vous les étendez, il faut les mettre à plat, ce qu'on appelle. Hein. Moi, en général, même si les manches, elles pendent, mais surtout de ne pas le pendre avec des pincettes... Comme ça, ou de le mettre sur un cintre, parce que du coup, avec le poids du gilet, ça va tout se déformer. Et voilà. Toujours laver au moins une fois votre laine avant de la porter. Je pense que c'est quand même toujours mieux. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait tout ça, bah, vous aurez terminé votre gilet. J'espère qu'il vous plaira. Moi, j'adore le mien. Il me tient vraiment chaud. J'ai pu retourner un petit peu les manches pour que ça fasse encore... Un joli effet, je trouve que cette laine est magnifique. On arrive quand même près de l'hiver, il commence à faire froid, un peu de couleur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, vous retrouverez, comme je vous ai indiqué au début, les explications du modèle écrite, ce qui est peut-être plus simple hein, que de suivre à chaque fois ce que j'indique, sur le blog lecrochetdelsa.wordpress.com. J'attends vos commentaires si vous souhaitez me dire ce que vous avez pensé de ce gilet, de ce tuto. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon crochet, à bientôt.